Hey, bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Suspense, de continuer notre aventure partie d'abord pour voir notre nouvel héros Lunara. C'est parti. Alors la question c'est... Ouais. Mon menu il fait parfois des siennes, je sais pas si vous avez la même chose chez vous. Vous voyez, il répond pas. C'est pas pourquoi. Attendre que le programme réponde. Voilà, il répond. Maintenant, on peut avancer. Enfin, j'espère. Voilà, enfin. C'est pas pourquoi, la première fois qu'on clique. Voilà, j'ai monté un peu le son. Comme ça, on va pouvoir entendre un peu plus. Parti. Ouais, même un peu trop, mais c'est pas grave. Je suis content. Allez, c'est parti, on va tester. On avait dit qu'on testait quoi d'ailleurs? Le dragon, c'était pas ça? Je crois. Bon, j'en ai remis d'autres, mais ils sont pas encore full opti. Je dois encore gérer un peu tout parce que le chasseur, en fait, le problème c'est que chaque fois on me propose le nécro tracker là avec Rexxar, mais je l'ai pas. Je peux pas tout avoir non plus. Hein. J'ai beaucoup de cartes. Bon, ça fait 3 ans minimum, 3 ans que je joue et que je fais tous les quêtes tous les jours, mais faut pas plus quoi. Voilà, c'est peut-être un peu trop le son. Voilà. Voilà, on fera ça. Un peu plus de musique. Ça me semble bien ça. Ouais. Un peu plus de musique et moins de son. Voilà. Alors comment il va la jouer lui? Quelqu'un est blessé. Tac. Il a joué quoi là? Ah ouais, d'accord, perdu dans la jungle. Ah, ça c'est pas bête. C'est pas bête du tout ça. Quelqu'un est blessé, tout de suite. Ah. Rien faire d'autre. J'aurais dû faire ça et d'abord soigner peut-être. On verra. Bah ouais, ça. Ouais. Oh là, bien joué aussi ça. Au rapport. Ah, il joue full aggro. Waouh. Là, on va faire ça. Je sais pas trop comment le driver celui-là. Je vous avoue. Je sais pas du tout. Je vais y aller mollo. Je vais essayer de soigner. Votre magie ne vous sauvera pas. Je devais m'y attendre. Je devais m'attendre à un... Comment dire? Un silence. Voilà, on va faire ça directement. Ouais, quoi que c'est pas utile parce que le brise-sort va me le trade direct, donc en fait j'ai pas été malin du tout. Non. Brisons la Ah, c'est encore mieux. Il est spécial comme. Ouais. Vraiment. Full face, hein. Il cherche pas à comprendre. Et. 5, 6, 5.
7, 8. 8, donc dans 2 tours je suis mort potentiellement, si j'ai pas une provoque ou quelque chose dans le genre. Ok, d'accord, c'est même pire. Il y avait gagné. Ah, oh, il sait le jouer, hein. Ah, oh, il sait le jouer. Là, ah, j'avoue. On n'est plus dans le petit level, là. Je vais pas me cacher dans mon deck à pas tourner. J'en ai aucune idée s'il a pas tourné, mais je suis mort. Ouais, 3, 6, 9. Allez, capitulé. Bon, allez, on va lui laisser le privilège de la victoire. Bien joué. Voilà. Bien joué. Il était aggro à mort, celui-là, par contre. On va pas se le cacher. Bon, voilà, c'est pour ça entre autres que j'ai pris le prêtre dragon, c'est parce que j'avais une quête journalière en prêtre. Alors, donc vous avez vu, je suis toujours 21, j'ai toujours 7, je crois que j'ai 7 victoires sur 10 maintenant. J'ai joué un petit peu et du coup j'ai fait une victoire sans le vouloir en non classé. Anduin contre Maiev. Personne n'échappe à ma fureur. La lumière nous apportera la victoire. C'est bien de pouvoir changer de héros contre qui on va jouer. Ça nous permet de pouvoir adapter ses strats. Et son style de jeu, mais bon, chaque deck est différent aussi. Hein. Vous avez vu ici, ceux d'avant étaient vachement aggro. Mettez cette pomme sur votre tête! D'accord. Eh bien, on va attendre. Si je le mets, il va me le trade, ça sert à rien. Tandis que si je combine avec 4 PV, enfin 2 PV en plus, ouais. J'ai rien dit. Là, ça devient dangereux par contre. Hein. Ah ouais. On va jouer ça pour dire de jouer ça. On sait jamais qu'il puisse me le trade. Mais bon, il va pas le faire à mon avis. Il va d'abord invoquer et espérer tuer mon gars avec des 1 point de dégâts. Ah, je me sens sale. Voilà, 1 et 2. Ah, raté. Ah ouais, et il trade au cas où, bien vu. Totalement bien vu. Voilà. Ah. Bien joué. Si j'avais su, je les aurais tous silence. Aucune idée de ce que je vais faire. C'est ça mon problème. Travail terminé. Et ah ouais, je peux faire ça et silence après. Il me faut 7 de mana aussi. Hein. Faut que je tienne jusque là. Et plus 3. Et de la toxicité. Non. Ouais. Bon, vous remarquez que ma vie elle a. Elle est très basse. Oula. 2, 6,
Ouais, ok, d'accord, il va me le trade. Ah, même pas. Bon, j'aurais cru. Ouais, c'est chaud, hein. Ça va être chaud, les amis. J'ai pas le choix. Je suis mort en fait. Hein. 3, 5, 7, 9. Ouais, bah ouais, je suis mort. Si j'avais eu celui-ci, bah bon, avec les si on peut. Aujourd'hui, il tourne pas ce petit deck. Ouais. On se le dise. J'ai peut-être trop laissé tourner. Bon, on va capituler. En plus, il y a l'arme. J'avais pas vu l'arme, donc en plus. Il tourne pas ce deck aujourd'hui. Bon, je vais jouer des cartes, c'est déjà ça. J'aurais aimé avoir Lunara aujourd'hui, mais bon. Anduin contre Anduin. Ah. Duel d'Anduin. La lumière brille sur les justes. Eh. Bon. J'aurais aimé avoir un autre serviteur qui lui pouvait être la cible de sort et de pouvoir héroïque, mais bon, ça sera pas le cas malheureusement. Absolument pas le cas. Ok, on commence bien. Ah, lui il me plaît par contre. Le brise d'ombre. Ouais, ok. Voilà, jouer comme ça. Bien joué. Un petit bien joué, un petit taunt, vite fait. De derrière les fagots. Ah, je sais, ça se plaît pas, mais j'aime bien. D'accord, il joue rien. C'est plutôt... Pas une cible valide. Effectivement, c'est pas une cible valide, non. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir le détruire avec ça. D'accord, il veut toujours pas jouer. Je prends plaisir à écouter la musique parce que généralement je baisse toujours le son et du coup j'ai plus de plaisir, on va dire, de ça. Attendez, on va être malin. J'ai failli faire une bêtise. Voilà. Et alors le tour d'après on fera tac. Tac, double, double, double. Ouais, ça me paraît cool ça. Bien sûr, il faudra s'exposer à avoir un truc qui va soit nous silence. Ou alors je craque pas tout, j'en mets qu'un. Peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire quoi? Votre magie ne vous fera pas. Bien joué. Un petit bien joué comme ça. C'est pas une bonne idée. Si j'invoque un toxicité, ça va pas le faire, évidemment. On va faire ça déjà. Je vais attendre le 7ème tour pour combiner celui-ci et silence en même temps. On va le laisser jouer une paire de cartes. Un talon de chaussure. Ok. Oh. D'accord, ça commence.
pourquoi je... Je suis la puissance incarnée. Pourquoi je... Voilà, je suis étonné. On me l'a déjà fait ce coup-là en plus. Hein. Quelqu'un est blessé. Je suis dépité. Il m'a fait le même coup. Donc ça doit être un truc qui cartonne. C'est l'invocatrice malveillante. Ok. Et en fait il garde un sort que niveau 10. Invocatrice malveillante. Je vais le noter parce que je vais l'oublier. Et si je peux le placer celle-là, ce serait bien aussi. Évidemment. Invocatrice malveillante. Voilà, excusez-moi. Invocatrice plus sortez 10. Ah. Je ne peux rien faire, évidemment. C'est lui qui me gêne. On va mettre un 2-2. C'est un peu débile d'avoir mis, je trouve, mais bon. Vous voyez, je suis autocritique. Mais je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi mettre en fait. Si je mettais celui-là, hop, c'était pas bon. Là, celui-ci à la limite, mais. Et en plus, je tuerais le tour d'après, ça c'est encore pire. Vous n'avez rien à faire ici. Tiens. On va faire ça. Déjà. Voilà. Déjà, ça c'est fait, comme on dit. Ouais, c'est mort. Bon, eh bien, je vais encore capituler. Et je vais aller changer cette carte. Donc il me faudra enlever 3 cartes, ça va être compliqué par contre. On va les voir. La fois passée j'avais su le contrer, là, incontrable, je veux dire. En tout cas pas 2 fois d'affilée quoi. Où es-tu? Où es-tu mon petit... Prêtre, voilà. Alors, j'avais dit... Invocatrice malveillante. Alors je sais pas si c'est... Ouais. D'accord, évidemment. C'est pas lequel je vais retirer par contre. Hein. Ouais. Ouais. Alors il m'en faut un. Évidemment, il me faut un... On va tirer les sorts, du coup. Ça m'ennuie un peu, mais ouais, soit. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Voilà, on va tirer les sorts, tac. Dissipation, là, j'aimais bien, par contre, c'est dommage. Je dois être sûr d'avoir tout enlevé. Hein. Ok, je crois que j'ai tout. Et alors, comment je peux faire ça? On va supprimer ça en... Hop. En 7+, je vais mettre... Tac, voilà. Contrôle mental. Voilà, 2 fois. Et donc...
Eh, mais il y a plein de trucs que j'avais pas mis ici. Ça, je l'ai. Ça peut être cool. Ressuscite deux serviteurs alliés. Oh. Ouais, mais 4 sorts, je l'ai pas. Alors, attendez. J'ai dû rater un truc ici. Dame blanche, lance feu intérieur sur chaque. C'est quoi ça? Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû mettre. Lance feu intérieur sur chaque serviteur de votre deck. Règle l'attaque sur les PV. Oh. Ouais, bon, on peut tenter. Bien sûr, il ne faut pas de sort. On l'a compris. Et... Bon, ça, c'est un sort aussi. Hein. Si je fais ça, je vais me retrouver avec un 5. Ça va faire un peu cher. Bon, bon, bon. Ça, c'est vrai que le lève carapace peut être sympa, éventuellement. Peut compenser un petit peu pour ouais, pour sa vie entre autres. Et on va tenter ça. Attendez, dragon. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a de spécial ici? Hein. On n'a pas grand chose. Hein. Donc ça, j'avais tout mis, effectivement. Oh. Ouais, ça doit être le Temporus, il doit être au finish en fait. Hein. Donc si je le mets et que mon adversaire a deux tours plus que j'en ai... Ah, votre adversaire en a deux. Ah. Ça, c'est dangereux ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attendez. Parce que là, je crois que j'ai une bête. Elle est où la demoiselle invocatrice? Ouais, je l'ai qu'une fois en fait. Donc il me faut deux fois. J'étais occupé de me dire plus disponible. D'accord, j'en ai qu'une. Donc en gros, il me faut qu'une fois. On va y arriver. Hein. Et dragon. Et je remets un autre dragon. Alors, qu'est-ce que je peux y mettre? Bon, j'ai plus grand chose. Tiens, 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 regardons. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Affreux amalgame. Ah si. Le vert écaille. Leroy Jenkins. D'accord. L'Extraza. Ah, effectivement, ça pourrait être sympa. Le couvre dragon. Ah. Oh. Ah. Ça, il me le faut. Maligos. Ouais, effectivement. Onyxia, Izera. Ah, oui. Et Eldemort. Ok. Ouais, en gros, j'ai encore énormément de dragons qui sont pas. Ils sont pas là. D'accord, bon. Ça me fait toujours une carte à mettre. Hein. Hmm. Je peux plus mettre un sort, à part un sort niveau 10. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, je sèche, comme on dit. Je vais pas mettre ça. Une arme, j'en ai pas, ça sert à rien. On va tenter avec Temporus. Allez, soit. Mais... J'ai un gros doute là-dessus parce que deux tours pour mon adversaire, si je me retrouve avec pas beaucoup de vie, bon, j'aurais peut-être dû mettre une provoque simplement. Ouais, une autre provoque avec un effet dessus, je sais pas lequel. Peut-être un râle d'agonie ou une bêtise encore. Je fais des tests, j'évolue mes decks,
je les travaille. Rexar ! Que la traque commence. La lumière nous apportera la victoire. Là déjà, la main peut tout changer, je crois. Ou alors je mettrais peut-être des petits. Oh. Personne ne survivra. Et votre deck ne compte. What? D'accord. Attendez. Si votre deck ne compte pas, améliore votre pouvoir héroïque. D'accord. Bon, bah ça c'est fait. Brisons la glace. D'accord, bon. Brisons la glace alors. Tac. Ouais, il va certainement le trade du coup. Voilà, c'est fait. Et il va. Parlez franchement. Ah, même pas. Hein? Parlez franchement. D'accord. On va attendre, hein. J'en ai pas trop le choix. Venez-vous battre, vermine! Ok, d'accord, il va la jouer en full dégâts. Il aura le don de m'énerver. Je vous l'avoue. Eh bien, soit. Que Tortola nous préserve. J'espère que j'en ai plusieurs des Tortolanes. J'ai même pas compris pourquoi j'en ai pas mis, tiens, des provoques. Pour dire de tenir un peu. Et pour le moment, je suis pas gâté au niveau des tirages, hein, vous voyez. 7, 7, 7, 10. Ok. Torche. Ok, bon, ça c'est fait. On va faire ça, mais j'ai un doute quand même. Je suis bien en retard, il me faut une provoque. J'ai un dragon, ok. Allez. Waouh. Ah, il a joué full dégâts, full DPS. Je vais pas faire long feu, il me faut un soin peut-être. Peut-être une carte de soin choqué. Bah non, je peux pas. Déjà, on va faire ça. Et on va soigner notre héros au maximum. Essayer de garder le contrôle. On mettra celui-ci. Non, celui-ci. Oh là. Ah ouais, c'est full DPS. Wow. Et hop. Ouais. Je suis les cendres de la sorcière. Prenez garde. Et j'ai perdu. Travail terminé. Je viens de me rendre compte. J'ai mis j'ai oublié de me soigner. Bien joué. Oh là là, décidément aujourd'hui. On va pas y arriver, hein. Bien le bonjour. Faut que j'arrive à sortir mon jeu peut-être plus tôt. On verra. C'est encore en phase de test et j'essaie de comprendre ce qui va pas dans ce deck. Hier j'étais nettement plus satisfait de mon deck. Bon. C'est ici qu'on se laisse. Évidemment, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se rejoint évidemment dans le prochain. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, hein, donc. Et pour me dire comment vous feriez, quelle carte vous remplaceriez par laquelle, n'hésitez pas. Allez, bye bye.